Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va tester des petits trucs qu'on a trouvés au Daiso, si je me trompe pas. Oui. Donc au Soyen Shop ici. Donc c'est un sachet, comme on peut le voir, de litchi. Donc à l'intérieur, il y a des petits paquets. Donc comme on voit sur l'image, on a l'impression que, je sais pas, quand on appuie dessus, on dirait de la pâte qui va sortir quand on regarde l'image, mais quand on touche, ça ressemble plus à du liquide. On dirait vraiment du jus de litchi. Peut-être de la gelée, je sais pas. Ouais. On va voir. Regardez, on va essayer d'en foutre. Enfin, pas en foutre partout plutôt. Essayez d'en foutre partout, ce sera marrant. C'est de la gelée. Ah ouais, ok, en fait c'est de la gelée qui sort des trucs. Comme ça. Ouais, en fait ça tombe pas du tout. Une crotte de nez. Pas mal? Enfin, un truc qui est bien. Ouais. C'est comme les pots de gelée de litchi qu'on achetait Ouais, dans le 13e. les pots de fruits là. Ouais. Parce que en fait, ça fait pas vraiment gelée, on va dire, comme ce que font les Anglais. Mais ça a plus la texture, en l'occurrence, quand même, du litchi, de la pâte rousse. Enfin, vraiment, sans le tour, juste ce qui est transparent. Non, c'est juste le packaging qui est différent, mais c'est exactement les petits pots là que t'as Ouais. utilisés au litchi. Sauf que t'as pas la petite pulpe à l'intérieur, quoi. T'as juste la gelée. Oh, c'est bien. C'est pas mal. Ça, j'aime bien, ouais. En même temps, j'aime bien le litchi, mais là, c'est vrai que l'espèce de. Ouais, de gelée dedans est quand même pas mal, je trouve. C'est pas mauvais, t'as du goût. Moi, je vais finir mon truc. Voilà, c'est trop sur une prochaine vidéo, c'est salut! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou partager. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et également sur notre site pour lire nos articles. Quant à nous, on va continuer notre voyage à travers le Japon et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!